Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis avec un drôle de personnage qui vient de s'asseoir à côté de moi. Votre nom est Pierre, c'est ça? Oui, bonjour Hervé, et bonjour et bienvenue à tous. Votre avis, Pierre, sur ce que peut réaliser cette équipe sur sa pelouse aujourd'hui? L'équipe réalise le début de saison qu'on attendait d'elle, pas de surprise à ce niveau-là. Bah non, on n'est qu'en début de saison, faut pas trop s'emballer non plus. L'équipe locale qui est tout simplement la meilleure attaque du championnat. On verra si cela se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Et voici le schéma tactique retenu par l'entraîneur. Les joueurs qui vont évoluer en 3-5-2, ils vont chercher surtout à asphyxier l'adversaire pour ne pas lui laisser le temps de construire. Une équipe qui reste sur une victoire à domicile. C'est vrai, un très beau 4-1, mais aujourd'hui je suis plus prudent, je verrais plutôt un nul. Pour arbitrer cette rencontre, au sifflet, Monsieur Siem Dekover. C'est le coup d'envoi, j'espère qu'on va avoir un bon match. Oui, moi aussi, et le public aussi. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le tir. Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà! Ah, ça n'aura pas traîné! Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. On voit ce but sous un autre angle. De voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Bensville. Van Aken. Attention, il a du champ devant lui. Touche. Il est Vossen. Un redoublement de passe, bien joué. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Ah, la passe en profondeur, attention. Ça part bien, action dangereuse. Il n'a pas pris le risque. Corner. Sur ces images, on revoit le but hein, qui permet à cette équipe de mener. Une frappe surpuissante côté droit, gardien est battu. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. On
On s'approche du but. Ouais, la frappe lointaine. Il progresse. Il prend sa chance. Oh, le poteau! Van Aken. Martos. Il s'avance vers la surface. Il va pouvoir centrer. Attention. Oh, le grand danger! Ce serait une touche, mais ça aurait pu être un corner. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le dégagement, on pourrait éloigner le danger. Et ça profite à l'attaque, l'arbitre qui laisse jouer. Ah, c'est la règle de l'avantage, Hervé. Il perd le ballon. Abdelhadi. Oh, ils vont plus le revoir, ils vont plus le revoir, ils sont aux abois. Attention, ça peut faire but. Oh, il la manque. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas bien de louper des occasions comme ça, surtout à ce moment du match. Ouais, ils sont gentils, là, ils nous remontrent les images. Ils utilisent la technologie, mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse normale. Hein. C'est pas plus mal, hein. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Van Aken. Ouais, la frappe. Le gardien qui repousse. Attention, c'est clairsemé derrière. Il résiste à la charge. Ouais, il a bien vu qu'il fallait aller le chercher, hein, ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Il parvient à stopper cette offensive. Ouais, bien pris la défense. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Allez, dans le couloir. Il avance balle au pied. Le jeu qui revient dans l'axe. Choisit la frappe. Oh, le but. Oh, sur le poteau. Et ça rentre. Un ballon bien travaillé et que le gardien ne parvient pas à stopper. Le buteur qui reçoit l'aide du poteau. On le voit sur ce ralenti. Le but sous un autre angle. Ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2-0. Diaby. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, le ballon qui est perdu. Ah, et ça sort en touche. Diaby. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. On voit que le ballon monte après la reprise. Hein. C'est sans danger pour le gardien. C'est vrai que le centre était bon. Il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête. Van Aken.
attention, il se rapproche du but adverse. La meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Le ballon qui file en touche. Les 30 derniers mètres. Van Aken. Il est Rossen. Abdoulaye Diaby. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, c'est un ballon perdu. Van Aken. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Voilà, l'entraîneur le fait sortir suite à sa blessure. Le laisser sur le terrain, ce sera aggraver les choses. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Elle, la voilà la frappe. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, alors, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Voilà un joueur qui, dans ce match, n'a pas vraiment le rendement escompté, hein, Pierre. Je le trouve assez décevant dans ce match. Il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici. C'est insuffisant pour représenter un danger pour le gardien adverse. Maintenant, attention, hein, parce que ses coéquipiers comptent quand même sur lui pour revenir au score. Il ne faudrait pas complètement passer au travers. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Fin de la première période et l'équipe locale mène au score. Oui, Hervé, la meilleure attaque du championnat, encore frappé. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La passe est interceptée. Et le ballon qui change de camp. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Un bon ballon d'attaque. Oh, il s'est fait passer, le défenseur. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Van Aken. Attention à la frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon.
ça part. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Warmer. On s'approche du but. En position idéale pour centrer. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ah, la bonne opportunité. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, on essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Ouais, la frappe. Le dégagement pour éloigner le danger. Bensville. On a atteint l'heure de jeu. Il est Vossen. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Hans Van Aken. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Ballon qui rentre, le gardien l'avait touché pourtant. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Clairement, l'entraîneur, il n'a qu'une idée en tête, c'est préserver ce résultat favorable, d'où ce changement tactique. Un petit but d'avance, donc, le score est de 2 buts à 1. Attention, ça peut être dangereux. Le soleil. Warmer, Diaby, Van Aken, il perd le ballon, Warmer, ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et puis il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Vossen, oh le bel arrêt, ouais, excellent, très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Ah, ça ne passe pas. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. On s'approche de la zone de vérité. Le tir, ça va être un corner. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Allez, le centre maintenant. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Abdullah Diaby. Ouais, l'arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Oh, full British referee, Hervé. Non, elle est interceptée, cette passe. Bensville. Warmer. Il s'avance vers la surface.
Le ballon qui sort. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi quand même, on dirait. Il tente un coup, peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Warmer. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah oui, il y est. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce match, sérieux. Ils étaient menés de 2 buts et maintenant ils sont à égalité. Et avec cette égalisation, tout est bien sûr relancé. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ils reviennent à égalité de partout. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ils sont traversés par Tonnerre. Warmer. Ça part bien, action dangereuse. Il parvient à stopper cette offensive. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Ça joue vers l'avant. Attention le tir. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Attention, il reste peu de temps à jouer. Ce corner pourrait bien donner la victoire à cette équipe. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Allez, capitale, cette attaque dans un match aussi serré. Il perd le ballon. Il cherche un coéquipier au premier. Sans problème pour le gardien, ce centre. Un bon ballon d'attaque. Il dégage ce ballon. Et c'est donc la fin du match à l'instant sur ce score de parité. Un match nul malgré la possession qui a été largement en faveur de l'un des deux protagonistes. Score de parité donc au coup de sifflet final. Encore une bonne prestation offensive de cette équipe qui marque souvent, on le sait. Mais il leur a manqué cette rigueur défensive qui leur aurait permis de faire mieux qu'un nul.